nous entrons dans le territoire du tueur le plus majestueux de la planète, le tigre du Bengale. Ce chasseur solitaire, rapide et puissant, qui peut peser jusqu'à 260 kg et mesurer jusqu'à 3 mètres, peut tuer d'une simple morsure. De tous les félins, c'est lui qui possède les plus grandes canines. Elles peuvent mesurer jusqu'à 7,6 cm. Cependant, ce redoutable prédateur n'est pas la seule menace pour les autres animaux. La saison sèche vient de débuter. Pendant les 4 prochains mois, pas une goutte de pluie ne va tomber sur cette région. La température va monter jusqu'à 46 degrés et l'eau va se faire rare. Les animaux vont devoir prendre de grands risques pour survivre. Février. Pendant 3 mois, l'Inde bénéficie d'un temps sec, ensoleillé et relativement frais. En journée, la température ne dépasse pas 33 degrés. Près d'un point d'eau situé au cœur de la jungle, le mâle dominant de la région patrouille sur son territoire. Affaibli par de précédents combats, mais toujours vigoureux et téméraire, il est prêt à défendre ce coin de jungle au péril de sa vie. Les points d'eau sont les terrains de chasse préférés des tigres. Celui-ci, en particulier, attire beaucoup de proies. C'est le plus grand point d'eau du secteur. De nombreux animaux viennent s'y abreuver, notamment parce que c'est le seul qui ne s'assèchera pas complètement au cours des mois à venir. Ce tigre est le maître de ces lieux, propice aux embuscades. Il y boit autant qu'il le souhaite, dès qu'il le souhaite. C'est un privilège dont peu d'animaux de la jungle peuvent jouir. Ce tigre a 8 ans et pèse environ 220 kg. Les tigres mâles dominent rarement un territoire pendant plus de 3 ans. Celui-ci entame la deuxième année de son règne. Un seul tigre couvre un large territoire. Si les proies sont abondantes, il peut s'étendre jusqu'à 150 km². Le marquage olfactif annonce aux autres tigres qu'ils arrivent sur ces terres. Les tigres marquent leur territoire avec leur urine ou leurs excréments. Vérifié et redéfini lors de chaque promenade nocturne, le marquage constitue l'une des activités principales du tigre, avec la chasse et le repos diurne. Ces rugissements indiquent sa présence aux femelles qui se trouvent sur son territoire, mais rappellent également aux mâles voisins de se tenir à l'écart. Ces appels sont émis à une fréquence si basse qu'ils résonnent à travers la végétation et sont audibles jusqu'à 5 km à la ronde. Ils partent dans toutes les directions, au plus profond de la jungle. Le nombre de rugissements augmente pendant la période de reproduction des tigres. Les mâles des environs les entendront forcément et attendront le bon moment pour se manifester. Le conflit est inévitable. Les jeunes rivaux doivent un jour ou l'autre se battre pour acquérir un territoire, ainsi que les femelles et les proies qui vont avec. Ce coin de jungle foisonne de proies. Il risque fort d'appâter d'autres tigres. Le tigre a une certaine préférence pour le sambar.
Il s'agit de la plus grande espèce de cerf en Inde. Grâce à son 1,50 m et à ses 270 kg, un seul spécimen adulte peut nourrir une famille de tigres pendant toute une semaine. Un jeune cerf Axi refuse cependant de partir. Il se sait plus rapide que le tigre et ne se sent pas menacé. À pleine vitesse, un tigre ne peut courir qu'à 55 km/h. Un cerf, lui, peut atteindre les 65 km/h. À moins que le tigre n'arrive à ramper discrètement sur 15 mètres, charger le cerf serait un effort vain. Le cerf arriverait à s'enfuir et le tigre essuierait un échec au prix d'une grosse dépense d'énergie. Il préfère renoncer. Le tigre repart à la recherche d'une femelle. Il tente d'en attirer une avec ses rugissements. Une jeune tigresse est justement allongée au milieu des bambous. Elle peut ainsi rester à l'abri de la chaleur et protéger son petit. Chez les tigres, un petit sur trois ne survit pas à sa première année. L'infanticide est la première cause de mortalité. Les tigres mâles ont pour habitude de tuer les petits qui ne sont pas les leurs. De cette façon, la femelle redevient disponible et accepte de s'accoupler à nouveau. Pour l'instant, cette tigresse et son petit restent à l'abri des regards, cachés par la végétation. Non loin de là, la curiosité et la naïveté de ces deux autres petits, plus âgés, compliquent la tâche de leur mère. Leur vivacité l'empêche de les cacher pour les protéger. Le comportement turbulent des petits finit par attirer l'attention d'un mâle. Un tigre mâle peut avoir des petits de plusieurs femelles. Toutes ces familles sont souvent éparpillées un peu partout sur son vaste territoire. Mais si les petits ne sont pas les siens, il les tuera. Cette fois-ci, il n'en sera rien. Les tigreaux vont même saluer leur père. Le mâle prend le temps de marquer olfactivement son territoire avant de s'installer près de sa progéniture. La forêt est tapissée de feuilles mortes. La nature fait son travail. Elles seront bientôt décomposées par les insectes. Les fruits du mawa fermentent sous la chaleur. Un puissant alcool s'en dégage. Les langurs, l'autre nom donné aux antelles, s'en régalent. Très vite, les effets de l'alcool se font ressentir. Ils deviennent très chahuteurs.